je pense qu'on a fait un match très solide, à part 10 minutes en premier tiers où on a donné un peu d'espace à Épinal et ça a été compliqué pour nous. Ils ont vraiment bien pris à la gorge au début, mais dans l'ensemble on a contrôlé le match, on a su mettre nos occasions, notre système a fait la différence et voilà, un bon match solide sur la route. Bon, c'était assez tendu sur la glace quand même. Ouais, ça peut vite partir un match de hockey, des petits coups, de la tension, on sait qu'il y a des moments et certaines équipes sont un peu plus tendues que d'autres. Ici, c'est pas forcément une grande période et du coup voilà, ça peut vite partir, les petits coups ça répond, mais bon c'est le hockey, c'est dommage un peu que ça ait mais dans l'ensemble il y a juste une belle bagarre et voilà, même si à la fin il y a eu quelques trucs un peu dommage, voilà, c'est un match de hockey, rien à dire. On fait vraiment la vive dans le second tiers. Ouais, c'est là où on met notre pressing en place, c'est ce qui fait notre réussite cette année. Dès qu'on met de la pression, qu'on patine, on a beaucoup de réussite, beaucoup de chances de marquer. Et là, ça fait la différence ce soir. On essaye de ne pas trop donner à l'adversaire non plus. Et puis là, il y a eu quelques occasions, mais dans l'ensemble, on a essayé de fermer le jeu. Et Seb a fait le bon boulot dans la cage. Donc, il y avait tous les ingrédients pour un bon match. Donc, La trêve internationale a été bien gérée du côté de Bordeaux. Ouais, apparemment on a eu pas mal de repos, on a eu 5 jours de repos, on a eu de la chance qu'on a joué que le vendredi nous et pas le dimanche comme Épinal, donc ça nous a permis d'avoir 5 jours de repos et ensuite 3 jours à travailler fort pour reprendre, donc voilà, on a bien géré ça, c'est toujours un peu difficile de sortir de 10 jours sans match, mais on l'a bien fait ce soir, donc bon point. Pour conclure, comment tu expliques la bonne passe de Bordeaux là, cette saison? Un système très solide, tout le monde discipliné, tout le monde qui joue pour l'équipe, c'est le principal. Même si individuellement, il y a certains qui performent un peu moins, c'est que tout le monde se met au service du collectif pour que ça paye. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Tout le monde brille, tout le monde fait partie du match, tout le monde est impliqué et ça fait le succès de Bordeaux aujourd'hui.